Et attention, on est parti. 3, 2, 1. Au revoir, Fred. Bonjour, Pokémon. Bonjour, les gens qui ne sont pas là. Si je vois à leur cœur. Alors, le jeu, est-ce que tu veux bien capturer le jeu? S'il te plaît. Merci. Alors, trop gros. Que tout va bien. Oui, tout va bien. On met le son du jeu. On a le son du jeu. Où est-ce que j'étais? Qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, nous avions Princesse qui avait évolué en un truc totalement inutile dont je vais me débarrasser sur le champ, c'est vrai. Est-ce que j'ai là au moins des trucs, des attaques utiles? Non, pas donc. Princesse. Ténèbres glace. Non, désolé. Ténèbres glace, non. Donc on va vite la mettre dans le PC, elle servira un jour, mais pas maintenant. Ah du coup, attends, faut que je... Alors oui, ça coupe la musique, je suis désolée. Il faut que je change le texte du coup, parce qu'on a fait évoluer... Laisse-moi écrire. Évoluer Kyria. Normalement, Galikid est là. Smogo est toujours là. Je vérifie en même temps. Crocodile a disparu. Donc on peut l'enlever. Je sais plus en quoi il évolue. Stade gamin est toujours là, mais je compte pas le faire évoluer un jour. Et Elekid. Ça c'était Combonfort. Rhubarb c'était le... Comment ? Rhubarb c'était le valeur bizarre, ça c'était notre petit, Gazinière est toujours là, Princesse c'était le Kirla, et je sais pas si vous les autres. Et Liquide est là. Ben, le Crocodile il est où? Qu'est-ce qu'on a fait? J'en veux pas. Pourquoi t'as l'eau mystique toi, donne-moi ça. Non. Mais je veux ton objet. Ah, je ne vais pas lui prendre du PC dans cette chambre. Ah oui, si, qui a accès avec vous. Si, bah voilà, il est là, c'est vrai. J'avais oublié ce détail. Qui reste Elekid. Donc on va prendre l'eau du Morpheo. Je sais même pas pourquoi. Hop, c'est terminé. Voilà. On est ici. Il ne tire pas trop. Voilà. Peut-être que Rayquazaur a un peu moins une tête de mongol maintenant. Non, toujours pas. non, Rayquaza a toujours une tête de mongol. Désolée pour le bruit. Du coup, est-ce que tu veux bien me donner... Pourquoi je t'ai appelé? J'en veux pas. Je sais même plus pourquoi t'es là, toi. Pourquoi je t'ai capturé? Pourquoi tu existes? Je sais même plus. Oh mon dieu, bon allez. On va prendre Elekid avec nous. Non, pas ça que je voulais faire. Voilà. Toi tu dégages, tu reviens là, parce que tu seras abandonné à jamais. Parce que... Alors attends, Galikid il est au niveau 32. Bon. Déplacer, on va mettre... Je voulais faire ça en fait. Tu vois le jeu. Donc, nous étions à Simtronel. Ah oui, c'est vrai, on peut pas courir. On a battu la reine, si je me rappelle bien. Ah oui, j'étais la dernière fois, enfin le dernier petit live qu'on a fait, j'étais en train d'XP. Les Pokémon sur l'autre route. Bonjour. On va aller par là. Je ne sais plus du tout où il faut aller. Hein. Comme chaque fois, vu que je live très très peu souvent. Alors là, j'ai déjà agressé tout le monde, semble-t-il. Quoi, pardon. Oui, je veux utiliser Coupe, s'il te plaît, le jeu. C'est bon, que Coupe. C'était des belles. On s'en mange. Bonjour. Pardon, bonjour madame. Alors. Est-ce que j'avais agressé tout le monde ici, semble-t-il.
fois je t'avais agressé, je me rappelle. Voilà, et visiblement, par là, on n'avait pas fait. Enfin, si, je crois qu'on avait fait, on était arrivé jusqu'à l'autre ville, mais vu que j'étais dans le décès le plus absolu. Oui. Une B-Wiki, merci. Vrai semble rare. Oh. Oh, des bébés chats. Ah, ah. Je tape mon soif, ça va pas. Ça. Putain, je me fatigue moi-même. Ah, les reflets des nuages, c'est trop mignon. Non, je vais l'enlever parce que sinon je m'entends. Pas trop, donc c'est chiant. Vous connaissez, hein, quand ça sert à rien, j'accélère. Oui, tu veux les baies, merci. Alors. On va aller là-haut. Y'a quoi? Un random. Ah bah. Oh! Alors, non, peut-être pas Tagada parce qu'il va un peu se faire ouvrir en deux, quoi qu'on peut chier. Il a l'air de bien s'en sortir. Switcher. Alors, je vais prendre un peu d'XP à gazinière aussi parce qu'il doit level up le pour... Il fait mal l'enculé. Je sens que je vais pas le tuer, c'est moi qui vais mourir en fait. Voilà, c'était l'idée. Super, merci gazinière. J'ai d'une utilité à toutes les preuves. En vrai, il est con. Écoute. C'est pas ma faute, Twitch, c'est le nom du Pokémon. Maintenant, il loupe son attaque. Ah, tu apprendras à essayer de plus rapide que moi. Chouette! Il y a quoi là-haut? Bonjour? Ah! Qui pourrais-tu bien être? Peut-être es-tu à la recherche des ruines antiques qui, selon la légende, pourraient exister. Non. Je suis juste perdue. Alors, comme d'hab, on se bagarre avec le soif. Hein. Il pleut. Non. Hello, coucou Newt, comment ça va? Non, on va mettre con. Un chat qui dit bonjour, oui. J'ai chopé ça sur un autre stream. Et si tu fais... j'ai plein de commandes avec lui. Si tu fais point d'exclamation miam, tu peux le nourrir. Essaye. Faut que je vois si ça marche aussi par la même occasion. Point d'exclamation, miam! Ah oui, ça fait le SFX en même temps, c'est génial! Oui, c'est vrai. On coupe mon son, hein. Mais oui, c'est trop mignon. C'est sur un stream que je regarde souvent, la madame, elle a ça. Et puis du coup, en fait, au bout d'un moment, je fais « Comment t'as le petit chat mignon ?» Et puis elle m'a expliqué. Donc j'étais trop contente. Parce que moi aussi, maintenant, j'ai un petit chat mignon. Il a un nom? Non, on lui a pas encore trouvé de nom. Parce qu'il ressemble à aucun de mes chats, donc... Le Khajiit ressent votre présence, coucou Kip! Un petit SO pour Kip.
Mais arrête de me dire bonjour, espèce de débile. Oh, t'es con, le chat. Ah oui, par contre, du coup, il est mal placé. Parce que du coup, en fait, ce qu'il dit passe sous le live. Enfin, sous la boîte de chat. Et j'ai pas d'autre endroit où le faire dormir, en fait. Mais, attends, j'essaye un truc. Mais si t'es là, tu dors à moitié sur le chat, mon pauvre. À moitié sur le jeu, en fait. Je fais des tests, hein, je suis désolée. Le chat! T'es pas gentil, le chat. Qu'est-ce que je peux te faire faire? Faut que tu le mettes sur ta tête, mais je peux pas. Ouais, voilà, là il est bien. C'est bon. Il est bien. J'ai juste rétréci un peu, donc ça va. Il est parfait. Et je peux pas le mettre sur ma tête, sinon il est hors champ en fait. C'est le problème. J'adapterai mon setup pour la prochaine fois. Persian, le petit compagnon de stream. Mais oui. Mais déplace ta cam. Mais oui, mais bon, je vais pas refaire tout mon setup. Oh, allez, si. Je refais tout mon setup en live. Alors, ça bouge pas. Le chat, tu vas rester là. Ça fera peut-être à Rayquaza une tête un peu moins de mongole en fait. Non, pas du tout. Rayquaza restera à Mongol. En plus, ça m'arrange parce que j'ai des trucs à supprimer. Voilà, ça dégage. Toi, tu dégages aussi. Désolé pour le bruit, hein, les bruits immondes. On va trop le nourrir, il va trop grossir. Oh, t'inquiète pas pour lui. Là, ça cache le titre. Putain, ça me saoule. J'ai bien fait tout mon en live, alors si tu peux bien faire son setup, c'est pas faux. La tête laissée fixe. Le chat, voilà, remettre voilà le chat. Est-ce que vous pouvez spammer des trucs inutiles, enfin des trucs random dans le chat que je vois ou ma boîte de dialogue que je pose le chat? J'ai peut-être une idée. Alors une idée stupide, certes, mais... Alors... Blab... C'est bon, le truc est intelligent, il s'est automatiquement mis au-dessus de la barre de chat. Mais non, mais... Attends. On va y arriver. Là, normalement, tu es au-dessus de la barre de chat, c'est parfait. Le chat, il est passé où? Le chat est parti dans la warp zone de l'oubli. Reviens par là, chaton. Si je le mets là... Bon, Rayquaza tout... Nyout, nyout! Si je te mets là, chaton... Non. Décidément, non. Il va faire une rebaisse avant la fin du live, hein, parce que du coup, je le nourris trop. Si je te mets là. Bon, allez. Si je bouge. On va arriver à aller trouver une place à ce chaton quand même. Ben voilà, regardez, il est très bien là. Du coup, t'as... Non, c'est celui-là que j'avais, ma 23. Voilà, regardez-moi comme c'est bien. Bon, Rayquaza a toujours une tête de mongolo, mais ça...
ça, on n'y peut rien. Ah, je peux pas y mettre là, c'est mon chat. Je suis con, moi, quand je veux. Hop. Voilà. Non, arrête de me bouger le... Putain. Minerve. Voilà. C'est quand même bien mieux tout de suite. Allez. Voilà. On met des musiques d'Emile avec une pote en vocal. C'est une idée. Aïe. Aïe. Il fait très mal. Et Bonk ne fait pas du tout mal. Ça va être un problème. On va switch, hein. Me mettre en 6P parce que de toute façon. Hein. Voilà. Remarquez la puissance de séance XP. Notre dieu à tous. Qu'est-ce que c'est que cette attaque? Bon, on va se mettre d'accord tout de suite les enfants. Je pense que tous ceux qui sont sur ce live, enfin les deux personnes qui ont parlé, vous avez vu ou vous savez ce qu'il y a dans le Nintendo Direct. Ce qui a été annoncé. Donc, qui... Bah, Newt, je crois qu'on a déjà parlé, mais Keep, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, moi, j'ai pas vu le Nintendo Direct, j'ai vu les trailers sur YouTube, par contre, qu'ils ont posté après. Aïe. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous allez acheter? Est-ce que vous vous en battez les couilles? Pardon. Oh punaise. Je suis peut-être intéressée par le remake 4G, d'accord. Mais j'hésite. Ok. Allez, du bon. Oh putain, merde, ça a marché. Bon ben, désolé, séance XP. Hein. Bon, on va aller se soigner. Heureusement que je suis pas en usine, comme on dit. Normalement, la ville, c'est par là, dans mes souvenirs. Ah non! Un Tyrannosif Shiny! Je peux... Non, je veux m'en aller, en fait. Merci. Non, je ne suis pas là. Alors, personnellement, le remake ne m'intéresse pas du tout. Je le trouve affreusement moche. Après, j'ai rien du tout contre la 4G. Parce qu'on le rêve, j'ai des petits poissons dans l'eau version 1h. Est-ce que je dois penser de quoi? Je te sors de la douche. Des annonces du Nintendo Direct, Keep. Et j'espère que tu as pris une bonne douche. Dis-nous tout, Keep. Pauvre! Très bien, Keep. C'était pas le bon chemin. Ici, il y a le PC. Tu as faim, le PC, déjà? Quelque chose. Ah. Ah, putain. Voilà, moi... le jeu. Le jeu, il m'a fait un mini-freeze. Il m'a foutu la trouille pendant 2 minutes.
Donc oui, moi comme je disais, le remake m'attire pas du tout parce qu'il est affreusement moche. Sincèrement, je trouve vraiment... Non. Je le trouve vraiment pas fou. Ça me fait de présenter un nouveau jeu Pokémon qui change complètement des autres. Mais il est dégueulasse! De quoi, le nouveau le Arceus ou le remake de la 4G type? Donc je cherche les rues antiques qui je suppose sont là, mais y a rien. Donnez-nous Breath of the Wild 2. Non mais si je prends... C'est pas pour les graphismes, y a pas une histoire de changer le scénar? Non, pas que je sache. Bon, y avait rien par là. Du coup, on continue. Il me semble pas qu'ils vont changer le scénar. Mais comment... Il y avait... Enfin, il y a... Moi, ce que j'ai vu dans les trailers, c'était donc Pokémon Snap, si. Comment... Donc, qui m'attire bien, parce qu'il a l'air franchement sympa. Pokémon, donc, avec Arceus, qui... Même s'il ressemble à... C'est le jeu, tu sens qu'il n'est pas fini. Tu vois? Tu sens qu'ils l'ont montré en mode ça existe. Mais va falloir attendre un peu. Je vais me faire ouvrir en deux. Ouf. Voilà, tu sens que le truc n'est pas fini, mais qu'ils l'ont montré histoire de... Donc celui-là peut-être. Celui-là me tenterait, mais j'attends de voir, tu vois? Et alors, le remake 4G, autant c'est la génération avec laquelle j'ai commencé. J'ai commencé avec Perle quand j'étais petite. Bon, tous les randoms qui criaient en mode on va avoir un remake 4G, on veut le remake 4G. Oui, bon, je m'en tapais un peu. Et là, j'ai vu le trailer. Et j'étais là, mais qu'est-ce que vous avez branlé, les mecs? Sérieusement. Soul Silver, moi. Ah, moi, j'ai lu après, moi. Enfin, Soul Silver, c'était mon frère qui l'avait. J'ai eu Hot Gold, moi. Putain de connard de... Tiens, Yako parle bonjour. Devant nous se profile le mont Memoria. C'est un monument naturel pour le salut des âmes des Pokémon défunts. Ouf, c'est la teuf, dis donc. Mais voilà, j'étais là en mode, mais... Qu'est-ce que vous avez branlé? Qu'est-ce que vous avez foutu? Ça ressemblait à un genre, un jeu mobile, le truc, je vous jure. C'est genre, le jeu mobile, mais moche en plus. C'est genre vraiment dégueulasse. J'étais en mode, mais les mecs, qu'est-ce que vous avez branlé? C'est quand même pas compliqué de faire un bon jeu. Je veux bien que vous ayez, tu sais, que vous soyez hype avec vos graphismes chibi. Ok, c'était mignon sur le remake de... Comment ça s'appelle? De Link's Awakening. Je dis pas, franchement... Franchement, ça collait bien. Mais là, ça fait juste jeu mobile fait par des amateurs. C'est juste dégueulasse. Donc voilà. Je pense pas que je vais le prendre. Je pense que si je veux jouer à Diamant et Perle, bah je jouerai en émule, quoi. Alors toi je t'ai battu. Vous je vous ai battu. Voilà, donc on arrive à Nemikrit. Du coup on va l'agresser. Ironie du sort, j'ai eu Soul Silver, mais le seul légendaire que j'ai pas chopé c'était Lugia. Ah bah bravo, type. Le grand mystère de cette planète se trouve au fond des océans. Quelqu'un a dit ça, mais je sais plus qui. Ben, c'est pas moi qui vais te le dire. Il y a un abîme tout au fond de l'eau, entre Algatia et Atalanopolis. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Le gars, c'est genre, je vérifie pas mes infos, on aurait pu dire qu'il y a une soucoupe volante, tu vois. Tu avais cette étrange caverne dans la crique au bout de la ville? Non, pas encore. Bonjour. Je viens de Kanto. La région de Hoenn est très belle avec son eau et sa nature verte. Attends une seconde. Y aurait-il des Pokémon rares qui ne vivent que dans cette zone? J'ai entendu parler d'une bande de salvouriens qui volent les Pokémon et qui piquent les météorites. D'accord. Je me demande combien de types de Pokémon il existe dans le monde.
Ce serait super de traverser les océans et d'échanger des Pokémon très loin d'ici. Bah attends la sortie de la 4G, connard. Pardon. Je suis Dame Concours, j'adore les concours. Voici la l'unique, on pourrait l'appeler Grâce, mais je pense qu'il pourrait encore gagner en grâce. Cela, j'ai besoin de tournette. Pourrais-je avoir un Pokéball comme ton manga? Ah, mais tu n'as pas de boîte? Tu devrais. À la prochaine alors. Bon, très bien. Ouais. Non, Piki, en même temps, ils vont pas annoncer du Zelda sur un Poké. Enfin, sur un Pokémon direct, tu veux. Abusé. Moi qui nous fasse un petit crossover, mais bon, là je rigole. Alors, c'est ceci. Concours Pokémon. Oh. Je rentre dans une maison des gens d'abord, on ira voir ça après. Oula! Je veux que tu vois à quel point mon Pokémon est fort. Alors on va tous les deux participer à un concours. Non, ça s'appelle Smash Bros, exact. Vous allez me dire qu'il dit tous la même chose. Le pire c'est Zelda, Skyward Sword HD, je vois pas de diff. J'ai pas regardé. Pourquoi j'ai 4 gamins qui me disent la même chose, au secours? Oh ça alors, tu voyages en solitaire mais tu es si jeune, c'est bien pour toi. Je suis sûre que tu pourras apprendre un ou deux trucs à mes enfants. Moi, je suis une spécialiste des Pokéblocks. Je me concentre un peu, je peux contacter de fabuleux Pokéblocks. Tu veux apprendre des choses sur la spécialiste des Pokéblocks? Non. Mais vraiment pas, tu devrais pas toujours vouloir faire toi-même un petit peu. Fous-moi la paix, connasse. Ma femme m'a mis au monde des quadruplés, ça a été un choc. Maintenant, je suis heureux d'avoir joué ensemble. D'accord. Bonjour. Tu connais cet appareil après un mixeur? Non. On utilise pour fabriquer une sorte de bonbon après Pokéblock. Si tu donnes un bon Pokéblock à un Pokémon, sa condition va s'améliorer. Ok. Alors là, visiblement, c'est la capitainerie. J'ai entendu dire qu'il y avait une tour au-delà de la mer. Je crois qu'on l'appelle le pilier céleste. Rayquaza! Je crois. Je suis pas sûre. J'ai vu cette tour immense quelque part près du chenal 131. Est-ce possible? Ben, si tu l'as vu, oui, visiblement. Oh pardon. Il y a une salle de concours Pokémon dans cette ville. Oui, elle est juste derrière moi. Je l'ai vu. Ça veut dire qu'on peut y voir des Pokémon bien dressés venant des quatre coins du pays. Mon corps déborde d'enthousiasme. Non, c'est ma... Non, ok. Sache. Je faisais une petite sieste sur la plage, bercée par le bruit des vagues, quand quelqu'un m'a volé mon Pokémon. L'île de France. Non. Qui est le ravisseur? La team Aqua? Est-ce la team Aqua? Ça peut être n'importe qui, vu que tu pionçais, connasse. On avait la chance d'arriver ici pour passer notre lune de miel, et on avait un Pokémon du type dragon volé très haut dans le ciel. Il y a vraiment des Pokémon comme ça, Arwen? Bah, ton élément. Pour notre lune de miel, on a l'intention d'avoir autant de Pokémon que possible. Alors imagine un peu ce qu'on a pu ressentir en voyant ce Pokémon rare. Il n'y a pas de mots pour l'expliquer. C'est quoi cette merde? Hôtel Cric Crac. On a trouvé un endroit pour Kiprine. C'est Hôtel Cric Crac. Ouf! Ils ont doublé leur clientèle en faisant des Pokémon une attraction. Je devrais peut-être prendre un Pokémon gracieux pour un mastoc ou autre auberge. Je me demande si ça intéresse plus de monde chez nous. Oh pardon, désolé, j'étais trop absorbée par la télé. Mais je te permets pas! Bah, c'est toi qui fais des blagues sur ta... Sur ton palmier, hein? Pardon, désolé, j'étais trop absorbée par la télé. Depuis que la Team Aqua a débarqué en ville, les touristes n'approchent plus. D'accord, on s'en fout. Ah, oh, tiens, encore toi. Hein? Oh, désolé, j'étais en train de dormir. Je suis venue voir ce qui se passe dans ces concours Pokémon. Je dois admettre que c'est plutôt divertissant en mer. En tant que puriste, je préfère les combats dangereux. Mais c'était que mon avis. June, j'espère que tu vas profiter de tous les arènes, les concours, les tentes de combat, tout. Non! Je n'aurai pas de concours. Mort. De toute façon, ça sert sûrement à rien. Donc, je n'aurai pas de concours. Oh, des randoms de la Team Aqua, bonjour. Si le monde entier nous appartient, nous la Team Aqua, ce sera aussi un endroit plus agréable pour les Pokémon. Ouais. On y croit tous. Hein. C'est quoi ça? Bonjour. Peu importe ce qu'en disent les autres, mon vrai sœur préféré, c'est le champion d'arène de Myokara, Bastia. Ok. Nous tous ici sommes de grands fans de combat de Pokémon. On débat pour savoir qui nous semble le plus fort de tous les dresseurs. Si tu devenais célèbre, on pourrait même devenir tes fans. J'ai entendu parler d'un tout nouveau dresseur très puissant. Il paraît que ce dresseur bat même les champions d'arène. Tu as entendu parler de ce nouveau dresseur? Non. Ton dresseur préféré doit être cool, fort et très sympa. Si seulement il existait un de ces dresseurs, ça veut dire que les dresseurs sont pas cool et pas sympas, tu vois. C'est... Alors, du coup. Par là, qu'est-ce qu'il y a?
Ouais, ta team Aqua, c'est pas la team qui veut mettre fin au combat de Pokémon en faisant combattre les Pokémon? Non, la team Aqua, c'est la team qui se dit, y a pas assez d'eau dans ce monde, il faut mettre plus de flotte. Et de l'autre côté, t'as la team Magma qui est en mode, y a pas assez de terre dans cet endroit, il faut mettre plus de terre. Si j'ai bien tout compris au scénario, monsieur. Même quand on vieillit et qu'on devient tout ridé, la mer semble toujours jeune, grâce à l'éclat radio de la vie. Oh oh oh. D'accord. Il y a 60 ans, mon mari m'a demandé un mariage ici. La mer est toujours aussi belle. Ah, oh, c'est mignon. Oh, cool! C'était abri. C'est quoi cette merde? C'est que ce truc? C'est quoi cette merde? C'est quoi ce machin? Bon. Je sais pas. Si quelqu'un peut me dire dans le chat, ça quoi sert ce truc? Parce que visiblement je peux pas interagir avec donc... Mais bon, du coup par là c'est fait. J'en sais rien, bah ça tombe bien, moi non plus. Pas par là. Bon bah ça doit être par en dessous, au dessus. Ah le casse-burne. Génial. Bonjour. Ah oui je suis défenseur de capacité. Non. C'est gentil, tout pas besoin de toi. Bon alors, c'est quoi cet endroit? Centre commercial! Oh! Je suis marchand d'art. J'achète et je vends des œuvres d'art, essentiellement des tableaux. J'entends dire que le musée ici expose des magnifiques œuvres. D'accord. C'est payant? Non. Ce musée d'art, eh bien, tu peux y voir beaucoup de fabuleux tableaux. Et le conservateur est extraordinaire. Pour les artistes tels que moi, ce musée est une véritable source d'inspiration. C'est un plaisir d'affronter les Pokémon, je te l'accorde, mais il ne faut pas oublier notre amour pour les beaux-arts. Le nick. Hein, j'oublie ce que je veux d'abord. Ce Pokémon est adorable, tout comme notre petit fiston. Cette dame est jolie, elle est comme maman. Ah, c'est une madame. Bonjour. Bienvenue au musée de Nanucrick. Prenez le temps d'apprécier notre super collection sur les Pokémon. Ça, c'est quoi? C'est une réplique de sculpture connue, c'est un antique Pokémon oiseau. Alors, pour moi, ça ressemble plutôt à un Roucoups, mais bon, on va rien dire. Une immense plaque en pierre des Pokémon, un texte compact écrit dans une langue ancienne, indéchiffrable, son avis. Sulfura! Ah ouais, c'est pas con, aussi. Ou Articodin. Articodin, plutôt. Et ça, c'est un pot. Ça, c'est un rond. Ça, c'est une salade de fruits. Et ça, c'est... Toi qui voulais peindre, mais tes petits frères qui ont renversé la peinture. Voilà. Je suis critique d'art. Voyez, chèvre. Le Pokémon est légendaire de l'ancien temps. C'est de l'imagination du parc. Alors, nous avons une tête vénère, une chèvre et un soleil. Voilà. Bonjour. Je suis le conservateur de ce musée des Beaux-Arts. C'est encourageant de voir quelqu'un d'aussi jeune dans notre musée. As-tu déjà vu notre collection de tableaux? Oui. Oh, tu m'as tout l'air d'un dresseur de Pokémon. Entei en bas à droite? Peut-être. Ouais, bah Entei c'est une chèvre, voilà. Et tu t'intéresses également à la peinture? Oui. Ah très bien, tu aimes effectivement la peinture. Alors peut-être voudrais-tu me suivre? Oula! Oula! Notre salle d'œuvres contemporaines, oh mon dieu. Comme il est facile de le constater, il n'y a pas un seul tableau exposé. Je ne souhaite pas exposer d'œuvres dites classiques ici. Les œuvres de ce type ont déjà leur place au rez-de-chaussée. On désire d'exposer des œuvres qui se distinguent de l'art classique. L'art, après tout, ne se limite pas aux anciennes œuvres célèbres. Cette salle, je désire remplir d'œuvres modernes et pleines de vie représentant des Pokémon prêts à s'élancer dans une vie heureuse. Oula. Entei est apparu de quelle génération? C'était Or et Argent. Donc c'est la génération juste avant. Je m'excuse, je n'avais pas l'intention de monopoliser la conversation. Tu es jeune et as déjà beaucoup voyagé. Tu as dû voir des Pokémon pleins de vie et des œuvres les dépeignant. Découvrir une telle œuvre, nous te serons reconnaissants de bien vouloir obtenir la permission de l'artiste pour l'exposer ici. Oh, d'accord. Bon. Bonjour. Oh ouais, c'est June, je fais une course pour mon papa. Non, j'achète pas de poupée. Quoi? What?
ça fait un petit bout de temps. Je veux pas savoir que t'achètes des poupées pour ton père. Hein? Ça ne me regarde pas. Et c'est dégueulasse. En tout cas, ça fait un petit bout de temps. On se fait un petit combat pour voir qui a le mieux dressé de ses Pokémon. Bon, bah écoute. Oh, mais tu sais que je ne vais pas perdre contre toi, June. Si, si, tu vas perdre parce que j'ai mon arme secrète. J'ai séance XP, tu peux rien faire contre moi, sauf si t'as un légendaire. Et t'as des Pokémon niveau 30. Bon, bah on va sortir d'office. On va sortir d'office séance XP, hein. Je pense que la question se pose même pas. Tu veux jouer à ça? Pas de soucis, je te défonce. Il a Zénith, bâtard. Alors, normalement, j'ai onde de choc, voilà. Tiens, mort. Brrrr. Mais oui. Oh, con. Allez, on va mettre Bonk. Parce que Bonk doit XP, Bonk a encore 2 niveaux à gagner, si je me rappelle. Type qui call Entei. Hein. Oulad. Parfait, tiens, mange. J'accélère. Chargeur. Entei chargeur. Très bien. Vas-y, vas-y, charge. Fais-toi plaisir, hein. N'oublie pas de mourir, surtout. Voilà, Boom qui gère ça tout seul comme un grand. Oh! Parfait! Ampiflore, oui, on va switcher. On va mettre con, parce que normalement... Il a une attaque feu, ce sac. Oui, il a surchauffe, c'est parfait. Ah, fuck. Bon, tant pis. Mais non! Arrête d'être inutile! Oh. Comment tu voulais que je prévoie ça? Je sens que ça va être une hécatombe, là, parce que... Tant qu'il a sa vie au max, je ne peux pas, je peux rien faire. Faut que je prie, parce que sinon... C'est qui est rapide dans ce tas là. Rhubarbe. Ça servira à rien, mais c'est déjà ça. Oui, Rhubarbe est plus rapide. C'est toujours ça, mais bon. T'as quoi, toi? T'as toi que bluff? Si, si, toi que bluff. Il m'a déboîté, hein. Quel enfer. Tagada qui win! Mewtwo! Oui, on va changer, on va mettre ça en XP, hein. C'est pas qu'il m'a défoncé 3 Pokémon, mais quand même. Putain. Deux légendaires quand même, hein. Il se fait pas chier, Brice. Mais à moins que, normalement, ça passe. C'est sérieux, tes conneries, là? J'ai oublié que j'ai pas d'attaque ténèbre. Fais chier, copie. Mmh.
Une attaque avec des cyclones. Je sais pas ce que c'est. Coupe vent, d'accord. Balistec. Allez, du vent. Mais voilà, on a gagné. T'as bien progressé. Je suis dégoûtée, j'avais pourtant un avantage sur toi en tant que dresseur. Oui, de légendaire, c'est ce que ça s'appelle un avantage, oui, connard. Je compte rentrer un bourreau en vol. Tu sais, j'aide mon père à remplir son Pokédex. Il commence à être bien garni, alors je devrais aller lui montrer. June, que vas-tu faire? Rassembler tous les badges et relever le défi de la Ligue Pokémon? Je vais peut-être faire ça aussi. Enfin, de toute façon, il faut tenir bon. Donc, casse-toi maintenant. Voilà. Je vais acheter quelque chose à mon insupérieur pour le récompenser de sa victoire au concours. Aujourd'hui, ma maman va m'acheter de jolies choses. Très bien. Quand je vais au centre commercial, j'achète toujours un tas de choses, c'est tellement sympa. Okay, bonjour. Bienvenue. T'as la loterie Pokémon. Oh, oui, je veux. Participons à la loterie. D'accord, je me suis fait avoir. Tant pis, suivant. Je pars pour un long voyage, faut que je fasse plein d'objets. Après, on va utiliser correctement les objets, c'est vraiment la base de tout. Marie m'attend à la maison, qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir? Oui. Alors, je vais acheter des choses. Ah, voilà. Non, plutôt acheter des super potions. Oh. La police. Je vais voir si j'ai des trucs à vendre. Non. Ah si, j'ai ça. Ah bon. Coucou Risotto, comment ça va? Donner du carbone, ouais, ah ça c'est tiens. Sur du rang, je sais pas si vous avez sa défense, ça défense pas. Ouais, donc ça c'est des tâches qui m'intéressent pas. Bonjour. J'aimerais bien avoir toutes les sortes de CT, un Pokémon ne peut apprendre que cette capacité. Ah voilà, ça c'est un étage intéressant. Le monde CT, 50 sortes. Bah, ça va. Capacité offensive, défensive, c'est pas facile de savoir que c'était après un Pokémon. Et June, elle va bien, Risotto. Voilà, c'était frustration. Mmh. Tu vas en retour, c'est ça? Voilà. Bien. Yeah. M'intéresse pas. Oh! Bienvenue, en quoi peux-je vous aider? Qu'est-ce que t'as à vendre? Ah, c'est des posters! C'est joli. J'imagine que c'est pour mettre dans la base. Encore des posters, mais oui. Tapis surf, tapis phase à fou, tapis dépréhension, poudreuse, attraction, abîme, picot, brillant. Oh, ce tapis qui brille quand on marche dessus. Un tapis surprise, un tapis qui tourne, d'accord. Ils vendent plein de super tapis. Si je veux demander lequel je vais prendre, je vais peut-être tous ces gestes. Sur le lieu, regarde d'ordre de poupée. Je devrais sortir en acheter pour moi et pas pour les enfants. Je ne vais pas savoir. Je suis trop petite pour un Pokémon, alors je prends une adorable poupée. T'as raison, Poulette. T'es mignon. Et mignonne la poupée, tu te donnes. Toi aussi, tu vends des poupées? Non, c'est des coussins. Qu'est-ce que tu racontes de boom sur Risotto? Oh, c'est le toit. J'observe le monde perché sur ce toit, je me dis qu'il y a tellement de choses à faire, de territoires à explorer que j'aimerais vivre plusieurs vies à la fois. Je sais que c'est impossible, mais les journées sont trop courtes. Ça me fait penser. J'ai sur les clonages à un de tes Pokémon. Non.
Oh, j'ai tellement soif. Ils n'ont pas fixé de date pour le déstockage massif. Je regarde la télé, mais je n'ai pas vu une seule pub. Bon. Rez-de-chaussée, s'il te plaît. Je suis rentrée du boulot, c'était désert ce matin avec le confinement week-end. Ah, c'est vrai que vous êtes confiné, toi, chez toi. Ah oui. Donc c'est que le week-end, du coup. Vous êtes confiné que ce week-end ou tous les autres week-ends? Comment ça se passe? Parce que oui, j'ai vu qu'il y avait, plein de régions enfin, confinées, mais pas chez moi, donc... Apparemment deux week-ends pour l'instant. D'accord, donc la semaine c'est normal, mais le week-end vous, sortez pas. C'est ça en fait, Risotto? Si je comprends bien. Bonjour. Et toi, ne va pas dans la cabane de la crique. Pourquoi? Mais parce que je suis un adulte, t'as qu'à m'écouter. Je t'emmerde. Je fais ce que je veux. Les Pokémon sont les partenaires des hommes, ils ne sont pas nos outils. Malheureusement, certaines personnes ne veulent pas comprendre ça. Bonjour. Quand on les regarde de près. Les costumes me conviennent parfaitement. Et toi, une baie, ça te convient? Et pourquoi donc? Semaine couvre-feu 18h et week-end vacances à la maison. D'accord, ok. Bonjour. Aujourd'hui, on a ramené un plus gros butin dans notre planque secrète. Qui es-tu? Je parlais tout seul. Je suis juste un sbire, alors je ne sais pas ce que le chef pense. Mais en étant dans la team à quoi, je voudrais essayer de grandes choses. Qui es-tu? Je parlais tout seul. On y croit tous. Bonjour. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Je suis pas encore bien réveillée, tu peux prendre ça. Réveil forcé? Ou alors bâillement, repos. Perso, le week-end, je peux travailler vu que je suis dans l'alimentaire. D'accord. Ah, coucou Nuggles! T'as déjà entendu parler de l'étrange caverne dans cette crique qui jaillissait d'une cavité naturelle? C'était avant que la team Aqua ne vienne la restaurer. Ils se présentent comme les amoureux de la nature, mais il y a une grande différence entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Pour moi, c'est l'inverse. Comment ça? Comment ça, Nuggle? Alors, pas... Ah oui, d'accord, je la vois, la caverne. Je me promène. Là, Welmer, sortez de l'eau maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Tu perturbes notre entraînement, alors tu pourrais pas dégager par là. Ok. Eh ben, en avant! Ah non, dans la caverne. La planque à quoi? Bonjour. Quoi? Qu'est-ce que tu veux à la team à quoi? Notre chef n'est pas là, il est parti chercher quelque chose d'important. Moi c'est l'inverse, je bosse que le vendredi, il n'y a pas d'heure et toute la semaine repos. Mmh. Où est-il allé? Ah, tu crois vraiment que je vais te dire quelque chose d'aussi vital? Quoi? Qu'est-ce que tu veux à la team à quoi? Il répète la même chose. Chenal 122 en direction de mon mémoria. Mais t'es quand même un sac parce que tu m'as dit où, où il était en fait, mais bon. On va rien dire. Allez. Direction le mont Mémoria. Donc normalement c'est... Enfin, j'ai soigné les Kegon en fait. Je suis marrant. Quoi. Oui, c'est bon. Donc il faut que je sorte de la ville. Et c'est là en bas, normalement. Chaque fois que je me plonge, je vais vers le vieux alors que non, en fait. Il faut pas. Voilà. J'accélère hein, parce que. C'est par là. Allez, on est parti.
Oui, effectivement. On va soigner quand même Tagada. Oh, Mibé. Oui, c'est clair, Nagel, t'as quand même beaucoup de temps de repos, ça va. Non! Je veux pas le jeter. On va le mettre sur. Voilà. On va utiliser, hein, tant qu'à faire. J'en ai deux. Alors, je veux le donner. À con. L'eau mystique, on va la donner à séance XP. Mais mes cons, ça lui servira à rien. Donner un rubber, voilà. Pas, j'adore mon boulot, bah tant mieux. Un tout doudou. Très bien. Voilà. Je fais le tour hein, pour voir s'il y a des trucs des fois. Mais bien sûr. T'as fait. Ah non, il est empoisonné. Qu'est-ce que... N'importe quoi. Il faut voir ce qu'on me dit. Ah, un message. C'est un émeraude random, totalement. C'est pour ça que je viens de l'agresser à un ami, randomement. Elle adore les randoms, oui. Là j'ai tout random, les Pokémon, leurs attaques, leurs évolutions, les Pokémon des dresseurs, les Pokémon sauvages, les Pokémon des champions. C'est quoi par là? C'est une route. Très bien. À mon avis, ça doit pas être par là qu'on doit aller. Je pense. Ce sera pour plus tard. Ah moi ça me fait rire les randoms, franchement. Est-ce que tout doute vous est mieux sur l'eau? J'ai eu peur. Moi j'ai jamais vu ça sur ma cartouche. Bonjour. C'est ici que remonte mon Zigzaton, c'est un endroit que je chéris. Es-tu là pour présenter des respects aux esprits des défunts Pokémon? C'est une route random. Ah ben non. De prendre grand soin de tes Pokémon, t'en fais pas.
Échange. D'accord. Le seul truc que j'ai pas random, c'est les objets qu'on trouve. Ah, il y a des tomes. Ah, des tomes dorés. Oh là, oh là, je voulais juste lire à ton, moi. Papier, papier. Ok, piller les tombes, très bien. Bah, moi, je voulais juste savoir pourquoi elles étaient dorées. Mais... Ah, bah voilà des méchants. Zinc. Bon allez, allons casser la gueule des méchants. Bonjour. Ah ah, dommage pourtant, en arrivant plus tôt, tu n'aurais eu que cette minable Team Magma à affronter. Maintenant, tu vas devoir nous affronter. Nous, la retour de Team Aqua. Vas-y, je te défonce, mon gars. Je te défonce. Ok, je te défonce. Je vais très bien. Mediena. Tagada qui est à moitié. Non, Tagada, il va bien. Tiens, bouffe. Essayer. On va s'en aller. On va pas mourir, hein. Bah, je t'en prie, donne-moi de l'argent, y a pas de souci. Tiens, non. Mediena qui a l'air au bout de sa vie. Regardez-le, le pauvre, il est là en mode « Qu'est-ce que je prends là ? Mais pitié, quoi !»« Laissez-moi rentrer chez moi, je veux voir ma maman. » Alors, j'aurais dû te laisser affronter la petite magma en premier. La cassage de gueule ratée, c'est ça. Suivant. Bonjour. Non, la team maman est arrivée avant nous, on ne peut pas toujours arriver après eux. Je croyais que vous devez venir les défoncer, faut savoir. Dracolos. Ah. Eh ben, on va mettre Gazinir. Parce que c'est le seul à avoir une attaque de type glace. Enfin, quoi qu'il y a... Il y a... Il y a Tauros aussi, mais... Je lâche ma souris. Saisie. Oh. Oh bah, oh bah d'accord. Oh! Chase Brick. Je m'en cogne. Parfait! Et Gazinière aussi. Je pensais que tu étais de la team magma. Con, écoute. Alors attendez, 5 secondes. Smogo 35, ok. Je vais juste soigner un petit coup Tagada au cas où je puisse pas le switch. Bonjour. Hé, je me rappelle de toi, c'était en mon chimney. Tu ne faisais partie d'aucune team, alors qu'est-ce que tu fais ici? Oh, je sais, tu voulais faire partie de la team magma, mais ils n'ont pas voulu de toi. Mais ne pense pas non plus pouvoir rentrer dans la team aqua, non? T'es foncé, c'est tout. Alors, Sbire, Team Aqua et Sbire, Team Aqua. Evoli, Donphan. Okay. Oh, Donphan Shiny. Tagada et Rhubarbe. Oh, ça devrait le faire. Tu vois pourquoi ça fait. Pas les bonnes couleurs. Voilà. Allez, du vent. Et les dèles. Parfait. Enfin, à la trouille. Alors, on va switch, on va mettre gazinière.
Et toi, tu vas bouffer mes stalactites. Ça devrait bien se passer. Donphan Shiny, oui. Je sais pas si m'a fait, j'ai pas eu le temps de lire. Télékinésie. Ah. Non. Non, c'est pas une attaque. Ça baisse quoi? Ma précision. Cran. Viens, mange. C'est tout? Oh non. Non, gazinière! Non! Il devait sur qui? Oh merde. On va enlever gazinière. On met séance XP. Oh fuck, c'est vrai. Ça va être un gros souci par contre. Putain. Ça va être l'enfer. Mais genre vraiment. Allez gazinière, tu peux le faire. Non. Allez Rhubarbe, allez. S'il te plaît, merci. Putain, alors car contre gazinière, il est aux fraises, mais il est fort. Voilà. Au moins, moi qui voulais switcher gazinière. Non, va mettre donc. Putain. Oh bordel, il dort. Tiens, dégage. Oh mon dieu. La tempête de sable fait rage, tout le monde s'en fout normalement. Tiens. Voilà. Pff, oh, je vous jure. Rhubarbe level 29, parfait. Séance XP. Non, bon, ne level up pas. Garde-voir. Là-haut. Bon, utilise roulag, bon, foire. La waifu se bouffe la tempête de sable, utilise roulade, utilise cascade, on est parti. On accélère. Allez, au revoir. T'as bon qui level toujours pas, hein. Chiant. Si tu dois gêner quelqu'un, que ce soit moi la team magma. Si tu t'attends que ça à faire ta partie de la team, on va y réfléchir. Oui, bah non, je les ai défoncés, forcément. Du coup, super potion pour tout le monde. Ils sont pas si mal, il y a que Smogo qui est dans le décès. Alors, je réponds juste mon message, les gens. On est parti. On sauvegarde. Et j'ai déjà 6 matchs, je n'empêche. Hein. Max de la team Magma a été plus rapide que nous, mais nous avons aussi ce que nous voulions. L'orbe rouge du Mont Memoria, il est enfin en notre possession. Nous pouvons maintenant accomplir notre ultime objectif. Ok, à tous les membres, repli immédiat. Oh non, c'est pas possible, après l'orbe bleue, l'orbe rouge a été également dérobée. Il ne faut jamais séparer l'orbe rouge. L'orbe bleue de l'orbe rouge, ils forment un tout. Qu'est-ce que ces hommes veulent faire avec ces deux orbes? Oh oui, c'est bien la team Magma qui est venue d'abord voler l'orbe bleue. Eh bien, dans leur hâte, ils ont oublié ça derrière eux. Je n'arrive pas à voir à quoi ça peut servir. Je voudrais que tu le prennes, ça peut être difficile. Un saut magma. Ok. Moi, le mémorial, les esprits des Pokémon trépassés sont apaisés. C'est un endroit en hauteur d'où l'on domine toute la région de Hoenn. Les esprits désincarnés doivent y trouver réconfort. C'est une coïncidence que tu sois là. Veux-tu entendre mon récit? Non.
Fous-moi la paix. S'il te plaît, j'ai pas que ça à faire. Alors, du coup, nous avons un saut magma. Qu'est-ce que c'est? Un saut pour... un objet portant le saut de la saut magma. D'accord. Bon, j'imagine qu'on saura à quoi ça sert plus tard. C'est vrai que j'ai Rubin qui dort. Voilà. Allez, plus que 5 levels. Tagada cruel. Pourquoi pas? Mais j'ai déjà Aéroblast en vrai. Ouais, on va quand même enlever copie, voilà. Oups. La case inertie develops. C'est bon que moi que je veux faire évoluer. Bon, qu'il me manque combien d'XP avant d'évoluer? Je crois qu'il est pas loin, donc hein, pas si loin que ça. J'ai rien dit. Il est à moitié. Non. On va quand même visiter. J'ai vu qu'il y avait un escalier. Voilà. Il y a quand même des Kémon. Vitesse extrême. J'accélère parce que... Voilà. Et les dresseurs? Qui a des dresseurs? Autant, s'il est aussi plus résistant que ça, je pense que... Voilà. Allez, tu cherches des Pokémon, alors tu m'as trouvé, quelle audace. Je pressens un malheur, pars avant qu'il ne soit trop tard. Ah! C'est un problème, effectivement. Ok, c'est creepy. Mimito, c'est Posipi. Tagada et Rubberb, c'est parti. Rhubarbe. Voilà. Posipi utilise tour magique, mais ça sert à rien parce qu'il n'a aucun objet. Et Rubas qui sert bien quand même. Posipi qui continue dans sa bêtise. Vas-y, vas-y, mon grand. On te regarde faire. J'ai gagné. Aïe, désolé, excuse-moi, je t'en prie. Plutôt coriace. Eh bien, oui. Bonjour. Ah, je suis terrifiée. Ah, d'accord. En même temps, vu l'endroit... Je ne doute pas que tu sois terrifié. Ah bah. J'ai mis à la trouille. Tiens, mange.
Oh yes. Non, j'ai perdu toute confiance en moi. Dommage. Bonjour. Oh l'XP. Ah l'XP. Bon, viens ici. Ah l'XP, oui, le délicieux XP. Je vais mettre 3 emplois, on va le tuer. Ah non, c'est bon. Bon. L'XP, l'XP. C'était vite dit, bonjour. Oui, 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 des trous personnels, le sol ici et là, j'avais pas fait attention, je suis tombé de l'étage du dessus. Ok. Bonjour. C'est un défi. Et si je lui prouve que je suis génial, tombera amoureux de moi, je le sais. Je sais, je vais te mettre la partie pour lui montrer que je suis génial. Spoiler alert, je suis sûr que ça ne va pas se passer comme ça. Mais bon. Je ne coupe Annie et Karl. Kyria et ok ok. Note à moi-même. Défoncer Kulbutoke. Très rapidement. Bon, foudre. On s'en fout. Ah mais ta gada il est joli. Merde, j'avais pas vu. Ah c'est con, j'ai une croix me contrer. Tiens. Dommage, j'avais de quoi me contrer, quelle tristesse. Oh là là. Chouette. Une hyperbole, parfait. Bon, on va dégeler tout ce petit monde. Et on va déparalyser Bonk. J'ai pas de blessurise ? Zut. J'ai pas d'antiparin non plus, mais comme ça, on va bien. Bon bah tant pis, il est paralysé. Vous savez quoi? Je vais mettre un repousse, comme ça on fait vite cet endroit. Par contre du coup faut que je change, faut que j'enlève le Gada. On va mettre Bonk, parce que normalement ils ont pas plus de level que lui. Alors, on dégage la gamine. Souvenir de mon cher Skitia, sa pensée, les larmes me viennent. Oh. Toi tu m'agresses. Pas sympa, madame. Ah, au revoir. Mais merde. Non. C'est pas ce que je voulais faire, mais ça marche visiblement. Oui, Magmar, bon, qui peut le gérer, même si. J'ai rien dit. Ah. Je suis désolée, j'accélère. Alors. Et une super potion Tagada. Les méga herbes. Bonk. Puis potion pour les autres parce que. Non. Potion. Et je voulais. Je voulais quoi? La béquille soigne du poisson. Voilà!
Alors il y a des trous. Je trouve un super repousse. Zut, je voulais les écraser. Ah bah oui, bah évidemment, mais toujours. Oh mais mon dieu. Je vais le faire. Non, c'est bon. Oui, bon, on va lever le pas à la fin. Oui, on va switcher parce que du coup, sinon il se passe endormi. Bon, et eh ben on aura au moins fait lever le bon. Tiens, ma seul. Oui, on switch. Oh, on met ta gada un petit coup. Ah, Azumarine, bon. J'accélère. Hein. Voilà. J'ai pas vu. Le 9. Oh bah. C'est pas chiant, hein. Voilà. Oui, on va switcher parce que là, c'est pour me taper la main confusion, je sais pas quoi. Ah, mange. Voilà. Ah là là! Je ferme les yeux. Je vois rien. Y'a pas de miroir derrière moi. Je connais les souris. C'est un Pokémon de la première génération. C'est un Machoke! Putain, ça va être chiant faire évoluer ça. Oh non! Putain, j'avais pas eu droit depuis le début. On va essayer d'aller le plus vite en haut de la tour et puis après on va s'arrêter. D'ailleurs, attends, il évolue à quel niveau, Bonk ? Je regarde, hein, je suis désolée. Alors, les enfants, je vous annonce officiellement que déjà il a gagné pour des raisons qui me sont obscures 4 niveaux et que j'ai qu'à lui faire gagner un niveau et c'est réglé. Donc MVP, voilà. Bien fait. Eh bien, aie honte de toi. J'accélère, hein. Oh merde, non. Deck, coucou monsieur Deck. Coucou monsieur Deck, comment ça va? Et quel est ce sèche-cheveux? Ça va, ça va. On finit, là on est dans le mont Memoria, on va finir le mont Memoria. Et ensuite on s'arrête. J'ai des choses à faire après. Du coup... Oh punaise, il y a plein de trucs avec les trous, c'est chiant. Oh, alors toi tu coûtes tellement cher. Allez, du vent. Allez, faire la révolution. Triple attaque. Non. Oui. Allez, un truc bien. Un truc bien par pitié. Un truc bien par pitié. Colomar ?
Mais non! Mais il est nul! Mais pourquoi? Bon, au moins il a intimidation, écoute. Voilà, bon, qu'est devenu la graïna. Tu t'en sors? Oui, oui, on s'en sort très bien. On va ouvrir la face à tout le monde là. Voilà, j'accélère. Je vais pas tarder. Commencez voir à regarder qui est-ce que vous voulez que je raide. Voilà, là, là, là. Voilà, non, j'avais pas perdu mon chemin. Bonjour, au revoir. Oh, oh là, c'était pas. Non. Sans doux. Ah parfait. On s'en mère. Alors on a fini. Le nom Memoria. On va sauvegarder. Salut, les biens se comptent plus comparé à l'original. Alors, je ne suis pas la personne à qui. Enfin, déjà, bonjour, Glim Glam. Si, bienvenue parmi nous. Et je n'en sais rien. Parce que, en fait, pour te dire, je n'ai jamais fait l'original. Je n'ai jamais fait. Voilà, on a sauvegardé. Désolé, Glim Glam, t'arrives à la fin du live. Je vais passer en full screen. Attention, 1, 2, 3. Oui, j'ai jamais fait l'original, je voulais justement profiter de ça sur cette ROM, on pouvait faire... Comment? Merde, j'ai pas sauvegardé dessus, tant pis. On pouvait faire... En random. Alors, qui est-ce que j'ai en live? Alors, ici, il y a... Riffel... Comme d'hab, hein, je vous ai écrit... Vous me dites si vous avez des gens en live, n'hésitez pas. J'ai l'impression qu'il est grand. J'ai tout ça, mais je pense que je vais déjà vous envoyer. Je pense qu'on va aller voir Monsieur Rirfen sur Yakuna. Ça fait très longtemps qu'on apparaît, Monsieur Rirfen. J'ai juste vérifié si. Non, c'est bon, il n'est pas en train de terminer. Je vous envoie chérir fan, j'espère que vous avez passé un bon live, même s'il a été plutôt court. Moi, je vous dis, j'ai des choses à faire. Voilà, comme d'hab, soyez sages, soyez agréables, dites bonjour. Et on se retrouve pour une prochaine fois, on avancera un peu plus. Là, j'ai avancé le raid, le live un peu à l'arrache, du coup, j'ai des trucs à faire.
Donc je vous fais des bisous. Mouah. Allez, à plus. Tchou-tchou. Et merci pour le follow. Et du coup, le chat ne se réveille pas. Vive un petit chat. Parce que le petit chat, ça s'est réveillé quand j'ai des follow. Mais bon, là, il a décidé que non. Voilà. Allez, zou, des bisous.